Ben bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais juste vous parler d'un petit logiciel que j'utilise depuis plusieurs années aussi, que j'ai dû racheter suite à l'achat de mon Mac Mini. Non, ben, je vous ai présenté la dernière fois mon logiciel pour faire les montages vidéo. Maintenant, je vais vous présenter le logiciel qui me sert à faire les captures d'écran, aussi bien sur les captures d'images que sur les captures vidéo. Il est capable de capturer l'image, il est capable de capturer la vidéo avec le son. C'était plus compliqué dans les premières versions de ce programme-là que j'ai eu il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, le programme, il est très complet, il va très bien, il coûte plus cher, on n'est plus... Il est comme Filmora, on ne peut plus l'acheter, on le loue sur à peu près... Si je me souviens bien, regardez, on va aller sur... Je vais devoir en faire un petit peu avec mon téléphone, comme toujours. Voilà, ça c'est... je vous parlerai à un moment donné de OBS, que je me sers aussi pour faire certaines vidéos. Donc, on va... L'interface, on le voit ici dans le coin, se présente comme ça. Si on veut faire une capture... Si on veut faire une capture d'écran, c'est vraiment pas compliqué. OK, on a juste cliqué sur l'appareil photo. Et puis, voilà. Et puis, on a juste à faire... Voilà, c'est fait. Alors, si je vais voir dans le screenshot. Le screenshot est là. Voilà! C'est vraiment pas compliqué. Si on veut partir de la vidéo, ben là, c'est une autre histoire. Je vais me mettre en mode... OK. Ah! Ça arrive des fois, ça. Je vais me mettre en mode capture d'écran. Là, on est en mode... c'est sûr que si vous avez... Voilà. Donc, on enregistre. Voilà. C'est parti. Et puis, ben là, on enregistre. Là, je vais aller sur Internet. Mobavi.com. Voilà, ça c'est leur site internet. Donc si vous voulez avoir un essai gratuit, ben, il y a juste à aller le chercher. Puis si vous voulez le programme complet, ben, il y a juste à l'acheter. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous allez le chercher en download for free, vous allez faire vos montages, mais il y aura un filigrane d'imprimé dans l'image. Donc, si vous ne voulez pas le filigrane dans l'image, ben, il faut l'acheter. Donc, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai acheté juste le screen recorder. Je n'ai pas acheté le vidéo editor parce que j'ai déjà le Filmora avec lequel je suis habitué à travailler, mais le programme a l'air assez complet. Il faudrait que je le laisse à un moment donné. Une fois qu'on a le programme, on peut se monter... Avec toutes les options qui sont disponibles, on peut se monter un compte assez solide. Moi, j'ai juste pris le screen recorder. Et puis, la vidéo aussi nous permet de faire du montage vidéo puis de la correction. Puis, le photo editor, souvent, c'est comme un petit Photoshop, je ne me souviens pas du nom, là, pour la photo. Donc, on va, pendant que ça enregistre, on va aller chercher... Nouvelle fenêtre. On va aller chercher YouTube. Ça me fait différent d'habitude quand on va aller chercher short, your channel. Donc, en vous présentant, voilà. Bien le bonjour tout le monde, on est le samedi après que je vous ai fait une belle vidéo sur des galettes au beurre qui m'ont été fournies par mes amis du nord de la France. Maintenant, on est vendredi. Le vendredi, je ne travaille pas, je suis en congé. Et puis, si j'arrête le logiciel, parce que là, il était en train d'enregistrer, voilà. Et voilà, c'était mon petit logiciel Movavi. Donc, ce programme-là, j'aurais pu m'en servir au complet pour faire fonctionner. J'aurais pu m'en servir au complet pour faire fonctionner même l'édition de
même l'édition pour faire de la vidéo, pour faire le montage vidéo. Mais je suis tellement habitué à Filmora que je n'ai que. Parce que quand j'ai eu. Quand Movavi est arrivé au début, on s'en refait un deuxième record. OK. Puis là, le voilà. Donc ici, j'ai le Movavi Screen Recorder. Ça c'est celui que moi j'ai. Et puis, chez Apple, on est capable d'avoir toutes ces choses-là. Mais dites-vous que quand vous. Parce qu'il est disponible, je crois, aussi sur. Il est disponible aussi, je crois, sur PC. Le programme de base, il ne me donne pas de prix parce que quand je clique dessus, ça m'amène sur le site de Movavi Screen Recorder. Normalement, si. Ouais, j'irai pas, mais normalement, quand je clique dessus, ça m'amène sur la page de Movavi. Donc, ici, ça ne sert qu'à aller chercher ça ne sert qu'à aller chercher le démo. Et puis, si vous voulez le programme complet, ben, Movavi va vous charger sur votre carte de crédit. Et puis, c'est un montant de 39 $ par année. Et pour les exports, c'est pas très compliqué. On a ça qui apparaît comme interface. On a ça à exporter. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est lui dire, on peut vérifier si toute l'image nous convient. C'est pas très compliqué. Puis on lui dit export. On a le nom du document, la place où on veut l'envoyer. On a juste à. Voilà. C'est pas très compliqué, ça non plus. Et puis, le format, puis si on veut l'exporter très très vite ou ben non l'exporter en maximum qualité. Très simple. Puis on fait save et puis c'est parti. Voilà. Donc on va arrêter. Voilà. Donc on va arrêter l'enregistrement. Et puis ben, c'était ça pour aujourd'hui. Je vais vous présenter un autre beau logiciel, pas très dispendieux, qui est disponible aussi bien sur Mac que sur PC. Et puis ben, c'est ça. Si vous voulez faire des belles captures d'écran, des belles captures de vidéo avec une belle qualité de son, c'est un logiciel qui est idéal pour ça. Alors, c'est juste ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Movavi Screen Recorder. Puis, naturellement, je ne suis pas payé pour cette publicité-là. Salut.